bienvenue dans un autre monde. C'est la vie qu'on mène, aucun passant ne nous renseigne. C'est la vie cette chienne qui fait qu'on restera nous-mêmes. C'est la vie quand même, c'est pas vilain. Central Park, c'est inouï, c'est une chose incroyable. C'est Summer Stage et j'adore l'idée d'être ici, je suis hyper contente. Vraiment, j'ai habité là quelques temps, donc je me sens bien ici. Tu habité quand ici? En 2005, j'habitais là, enfin j'habitais à Williamsburg, à Brooklyn. Mais je rêve de revenir habiter là en fait. Je pense que je vais revenir d'ailleurs. Je suis extrêmement fan de Woody Allen. Et du coup, pour moi, quand je suis arrivée ici, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit « Ok, alors c'est comme un film de Woody Allen, j'adore, je suis fan. » J'aime l'énergie qu'il y a à New York aussi et tout. C'est très loin de la France, donc c'est quelque chose qui me plaît. Les gens sont vraiment ouverts, quoi, je trouve. Mais peut-être que c'est ma conception des choses à moi en tant que Française et tout ça, mais... J'ai l'impression que les gens sont beaucoup plus ouverts ici et plus agréables. Some people say I would love to be strong. Some people say I do everything wrong. Me retrouver à la télé ou je sais pas quoi, c'est pas mon truc quoi. Je m'en fous en fait. Mais exister en tant qu'artiste sur scène, c'est important pour moi. Tu peux parler juste un peu de la réalisation de l'album? Ouais, bien sûr. La façon dont il s'est fait et l'écriture déjà. En fait, moi j'avais commencé à travailler sur mes chansons avec un autre producteur que Benjamin Biolay. Et j'étais pas hyper contente de ça en fait. Je trouvais ça joli mais c'était pas mon truc. Et donc j'ai appelé mon frère en lui disant « Je t'en supplie, aide-moi, il faut que tu m'aides » et tout ça. Et il m'a rappelé 2 semaines plus tard en me disant « J'ai une super idée, viens, on va en studio tout de suite tous les deux. » On est rentrés en studio tous les deux et je l'ai vu débarquer avec un sac comme ça, avec que des instruments minuscules et tout. Je le regardais genre « Mais t'es fou quoi, c'est quoi les... que des petits pianos, des machins et tout ça. » Je me disais « Mais qu'est-ce que ça va donner ?» Et en fait, il avait complètement raison.